lutte contre le terrorisme, le gouvernement a décrété pour une nouvelle période de 12 mois la mobilisation générale et la mise en garde en vue de consolider les acquis pour tout ce qui se passe sur le terrain. Et c'est dans cette optique que ce décret a été pris en vue de garder les mêmes dispositions et que les personnels puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Son adoption va ainsi permettre alors de garder toujours cette situation de mobilisation générale et de mise en garde. Des dispositions additionnelles seront aussi prises pour ce qui concerne les modalités d'exécution pratique sur le terrain.